Chaque fois tu fais des dépôts, chaque semaine, chaque jour tu fais des dépôts, tu fais que perdre. Sur un SB, tu fais que perdre. Voilà, tu as appliqué toutes les méthodes, tu as fait toutes les stratégies, les failles, toutes les options que tu as choisies. Tu fais que perdre, tu n'arrives pas à gagner beaucoup d'argent sur un SB. Donc aujourd'hui, je suis là pour vous montrer les 6 étapes à respecter sur un SB. Si vous l'appliquez correctement, vous allez réussir à coup sûr avec les paris sportifs, notamment sur un SB. Donc si c'est la première fois que tu regardes ma vidéo, abonne-toi, like la vidéo, une blessure, tu peux partager la vidéo. Voilà, on commence la vidéo après ce petit foutage. Donc voilà, les 97% des parieurs sont les perdants. Sur 100%, 97% dans le monde sont les perdants. Et qu'il n'y a que 3% qui sont les gagnants. Donc, comment faire pour faire partie des 3% des gagnants avec les paris sportifs? Donc, je vais vous donner les 6 étapes à appliquer, les 6 étapes importantes à appliquer. D'abord, l'étape numéro 1, ayez un bon compte, un ISBET, certifié avec un bon code promo. Donc voilà, ça c'est la base de tout, c'est la base de tout, voilà, c'est la base des paris sportifs. Ayez un bon compte, un ISBET, ou bien, sur, que ce soit sur un ISBET, sur l'INBET, BetWinner, 888 stats, un win, MailBet, tous les bookmakers qui s'agit. Ayez un bon compte avec un code promo certifié. Donc voilà, moi je vous conseille formellement d'utiliser le code promo NX160 parce que c'est le meilleur code promo du marché. Vous aurez les points, les bonus, tout et tout et tout. Ce que vous voyez là dans l'écran, voilà. J'ai fait le dépôt de 50 000, j'ai reçu le bonus et tout et tout. Voilà, tout ça grâce au meilleur code promo du marché. Donc voilà, arrêtez d'utiliser n'importe quel code promo. Donc voilà, il y a beaucoup de pronostiqueurs qui vous donnent des codes promo, qui vous fait pas des astuces, ils ne vous donnent pas des astuces, ils vous incitent à utiliser leur code promo, ils vont vous faire perdre, encore ils vont bénéficier. Donc voilà, ils vont vous faire perdre. Voilà, ils ne vous donnent pas des vraies astuces. Voilà, ils ne vous guident pas, ils ne vous font pas des montages, ils ne vous donnent pas rare, ils vous donnent rarement des vidéos ou bien quelque chose comme ça. Il vous donne des pas, il y en a qui ne donnent même pas des vidéos. Je ne vais pas citer de nom, mais il y en a qui ne donnent même pas de vidéos. Il vous laisse que vous jouez à l'aveugle et vous perdez votre argent. Alors que c'est pas ça. Moi, mon but c'est de vous aider, à appliquer des méthodes qui marchent. Voilà, je donne des coupons très sûrs. Voilà, je ne vais pas dire que je suis le meilleur parieur ou bien pour quelque chose comme ça, quoi. Donc voilà. Personne n'est meilleur, personne n'est meilleur. On fait que des analyses, c'est que de la chance. Chaque jour, je vous le dis, on fait que c'est que de la chance des paris sportifs. Donc voilà, j'ai commencé une montante de 1000 francs à 57 000 francs en moins de 10 jours. On l'a fait en une semaine, 7 jours seulement. Les gens qui sont dans mon Telegram peuvent témoigner en commentaire. Voilà, j'ai quitté de 1000 francs avec eux, de 1000 francs jusqu'à 57 000 en moins d'une semaine. Voilà, j'ai pas vu sur Telegram un pronostiqueur qui l'a fait. J'ai pas vu ça. À part King Expert ou bien King Zeta. Ou bien Papier, quelque chose comme ça, quoi. Donc voilà. Rare les pronostiqueurs vous donnent des montants qui réussissent. Rare. C'est que les montants, c'est un peu. C'est pas facile du tout. C'est pas du facile, quoi. C'est pour ça. J'ai pas envie de trop faire des affaires montantes, là, qu'est-ce qu'on. Mais c'est la meilleure méthode qui vous aidera à gagner beaucoup d'argent sur ISBET. Donc, je vous donne la première étape à faire, c'est d'avoir un bon compte en ISBET. Ça, c'était juste une parenthèse. Pour avoir un bon compte en ISBET, il faut choisir un bon code promo d'abord et faire l'inscription par complète. Voilà, c'est l'essentiel. Faites l'inscription par complète avec le code promo qui s'affiche juste à l'écran. Le code promo NX160, c'est le meilleur code promo du marché. Je vous le garantis, les gars. Donc voilà, la deuxième étape. Ayez un plan sur un ISBET. ISBET, pour le gagner, il faut avoir un plan bien précis. Voilà, bien précis. Je vous dis un plan bien précis. Il faut avoir un objectif. Par exemple, tu as créé ton compte avec le code promo NX160. Ton nouveau compte, un XBET et LineBet. Je vous conseille un XBET et LineBet. Voilà, sont les meilleurs bookmakers. Quand tu crées ton compte avec le code promo NX160, tu fais un dépôt de 2000 francs. Ou plus petit, fais un dépôt de 2000 francs. Même si tu n'as pas d'argent. Même si tu n'as pas beaucoup d'argent, essaye de trouver 2000 francs. C'est simple.
tu le fais comme dépôt. Voilà, comme ton premier dépôt, après avoir créé le nouveau compte. J'ai fait des tonnes de vidéos qui vous montrent comment créer le compte. J'ai déjà fait des vidéos où j'ai créé le compte dans la vidéo et j'ai fait le dépôt dans la vidéo et j'ai reçu les bonus dans la vidéo. Voilà. Il y a les gens peuvent témoigner en commentaire. Ce que je fais, je vous le montre. Quand je parle, je vous donne des preuves. J'ai créé le compte, j'ai fait le dépôt, j'ai reçu le bonus devant vous. Il y a une de mes vidéos où j'ai créé le compte, j'ai fait le dépôt, j'ai reçu le bonus et j'ai transformé l'un des bonus dans la vidéo. Voilà, si vous voulez, je vais mettre le lien de cette vidéo en description encore. Donc voilà. Et un plan. Pour gagner sur une USB, il faut avoir un plan, un objectif bien clair, précis. Voilà, il faut l'avoir. La troisième étape, soyez patient. Ne soyez pas gourmand et appliquez les montantes. Soyez patient et appliquez les montantes. Ou bien jouez en simple, les safe là, les coupons safe. Vous le jouez en simple. Quand je donne un coupon sur Telegram, comme par exemple un coupon safe, jouez 5 à 10% de ton capital. Par exemple, si tu as fait un dépôt, j'ai dit, si tu crées un nouveau compte, fais un dépôt de 2000. Mais il y a des gens qui ont un bon budget. Ils peuvent faire un dépôt de 5000 ou bien de 10000 ou bien de 50000. Ça dépend, chacun à son moins. Voilà. Quand je donne un safe, il faut miser 5% de son capital ou bien 10%. Si tu donnes un fonds, ce sont les coupons risqués. Vous misez que 2 à 3% de ton bankroll. Bankroll veut dire capital de pari. Par exemple, je suis à 3 millions sur ce compte alors que j'ai démarré avec, j'étais plus de 6 millions. Voilà, j'ai commencé avec 1000 francs. En un mois, j'ai fait un bénéfice de 5 millions ou plus. Voilà. Les gens qui sont sur Telegram peuvent témoigner encore. Voilà, vous pouvez tous témoigner en commentaire de cette vidéo. Voilà. Ce que je fais, je vous le montre, vous allez le voir, vous allez voir les résultats aussi. Donc voilà, en troisième étape, ayez l'habitude de retirer vos gains. Ayez l'habitude de retirer vos gains. Je le répète, je vais le répéter encore et je vais le répéter encore. Voilà, ayez l'habitude de retirer vos gains quand vous gagnez sur Dubsat. Il y a beaucoup de gens, quand ils gagnent, ils pensent qu'ils sont immortels ou bien qu'ils sont imbattables ou bien quelque chose comme ça, ils vont gagner à chaque tour. C'est pas comme ça. Il y a des moments que tu fais que gagner, mais il y a des moments que tu vas faire que perdre. Ça, c'est clair. C'est la loi des paris sportifs. Il y a personne qui peut dédire cela. Voilà. Quatrièmement, les gars, respectez bien les coupons que vous jouez. Arrêtez d'être excessif avec les coupons. Chaque jour, vous voulez jouer plus de 100 coupons comme ça. Arrêtez cela. Soyez patient. L'argent de ISB n'est pas encore fini. Soyez patient, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de pronostiqueurs qui utilisent des faux millions. Alors que ce n'est pas des millions, des faux millions, je vous le dis. Voilà. Il y a même des gens qui ont plus de 1 milliard sur leur compte ISB, alors que ce sont des comptes fictifs, de l'argent virtuel. Voilà, c'est que des faux. Voilà. Et il y a des gens qui donnent aussi des scores exacts, des gestions de compte, des pronostiqueurs qui demandent de l'argent. Celui qui gagne n'a pas besoin de l'argent de ses amis. Ça, je vous le répète à chacune de mes vidéos. Faites attention à cela. Donc voilà, celui qui gagne va vous donner tout gratuitement. Je vous dis, gratuitement, n'a pas besoin de votre argent. Ça, c'est clair. Mettez ça dans vos têtes. Même en 2024, il y a des gens qui se font arnaquer comme ça. Avec des faux, avec des scores actes, quelque chose comme ça, des gestions de compte. Affaire de soi-disant VIP, n'importe quoi, ça ce sont des faux. Celui qui gagne donne ses choses gratuitement, comme le fait mon frère King César, King Pronos, voilà, Papito l'officiel, etc. Il y a beaucoup de gens que je suis qui font du bon boulot. Voilà, suivez ces gens de personnes, mais pas les gens qui vendent des coupons ou bien quelque chose comme ça. Arrêtez cela, les gars. Soyez vigilants. Voilà, vous voyez notre palier numéro 8, notre dernier palier, on avait commencé de 1000 francs, je vais tout vous montrer. Je n'ai pas encore fini, je vais connaître les 6 étapes, je vais les connaître. Voilà, on avait commencé ici, vous voyez, j'avais misé 1000 francs, j'ai gagné 1400, vous voyez les options que j'ai choisies. Après, j'ai misé les 1400, j'ai gagné 2000. On avait commencé le 28, après le 29, vous voyez, après le 30... Déjà 3 jours, le 30, on a misé 2000, on a gagné 3000. Le 31, on a misé 3000, on a gagné 5000. Vous voyez, les gars. Les premières, on a misé 5000, on a gagné 8000. Le 2, j'ai misé les 8000, on a gagné les 15000. Et aujourd'hui, c'est le 3, on a misé les 15000, on a gagné 23000. En même pas 7,
Oh, 7 jours seulement, 7 jours, une semaine. Aujourd'hui, c'est le 3, j'ai misé 15, j'ai gagné 23, les 23 000. Le même jour, j'ai répété, j'ai fait un autre palier code 2. Voilà, j'ai misé les 23 000 et on va encaisser les 57 000 facilement. On est en 2024 et il y a beaucoup de gens encore qui ne sait pas comment créer un nouveau compte Isbet avec le code meilleur code promo du marché. Il y a des gens qui ont des difficultés. Voilà, je vous le montre chacune de mes vidéos. Je vais laisser une vidéo en description qui vous montrera comment créer un compte Isbet et un compte Linebet. C'est la façon dont on crée un compte Isbet par complète. C'est la même façon qu'on crée un compte Linebet, bien que ce soit sur Mailbet et autres. Voilà. Donc, c'était ça la vidéo du jour. Voilà, je vais encore faire en deux parties cette vidéo pour vous montrer les stratégies, les options à prendre. Les options qu'il faut choisir après la validation du palier numéro 8 là. Si on paye, je vais montrer les options qu'il faut choisir pour faire ces montantes. Voilà, les options à prendre. Les meilleures options, je vais vous donner les 5 à 10 meilleures options qu'il faut choisir et alterner. C'est pas la peine de prendre une seule option et de le jouer chaque jour. Il faut alterner. Aujourd'hui, tu prends ceci. Demain, tu prends cela. Encore demain, tu prends un autre. C'est comme ça qu'on fait avec les options sur Isbet. Voilà, il ne faut pas se concentrer uniquement sur une seule option. Sur une seule option, c'est pas sûr quoi. C'est pas sûr. Il faut alterner les options. Sinon, tu peux tomber sur une journée, tu auras une surprise. Quelque chose comme ça quoi. Donc voilà, je vais faire une deuxième partie pour vous montrer les options à prendre. Et on se donne rendez-vous à la suite. Voilà les pistes. On se retrouve à la deuxième partie de la vidéo. Donc je vais vous montrer les options à choisir pour faire ses propres coupons. Voilà, je vais montrer les options que vous allez choisir pour faire vos propres coupons. Voilà, vous allez miser avec votre propre coupon. Vous allez gagner facilement. Voilà, avec le temps, avec la patience. Appliquez la patience, les gars. Si vous n'avez pas de la patience, vous n'allez jamais gagner sur une Isbet. Ça, c'est sûr. Quand vous gagnez, quand je vous dis vous n'allez jamais gagner, ça veut dire que même si vous gagnez, par exemple, aujourd'hui tu gagnes 10 000, demain tu gagnes encore 10 000, après demain tu perds tout. Tu n'as rien gagné, tu as tout perdu. Donc voilà, on nous a payé notre coupon là. On a réussi, voilà, on a réussi. De 1 000 francs à 50 000, il n'y a pas un parieur qui vous fait ce genre de choses. Quand vous faites un dépôt de 1 000 francs, à même pas 7 jours, vous vous retrouvez avec 57 000 dans votre compte gratuitement. Rien n'est payé avec moi. Tout est gratuit. Depuis que vous connaissez le roi des parieurs, j'ai jamais vendu quelque chose ou bien quelque chose comme ça. Tout est gratuit avec moi. C'est encore clair. Pour rejoindre mon canal Telegram, c'est très simple. J'ai mis le lien en description. Voilà, tu cliques sur le lien en description. Quand tu le cliques, directement, tu es dans mon canal Telegram. On est plus de 6 000 personnes. Vous voyez, plus de 6 000 personnes. Voilà. J'ai commencé de 0 à 6 000 personnes. Voilà, en même pas un an. Voilà. Et on est plus de 2 000 sur YouTube. Je vous remercie du fond du cœur, quoi. J'ai pas les mots. Voilà. Donc, je vais vous montrer les options à prendre. Quand vous cliquez sur un iceberg, cliquez sur tout là, les matchs. Par exemple, je vais choisir le match de demi là. Match de Brentford de Bournemouth Nottingham. Quand vous cliquez sur le match, vous allez descendre. Je vais vous montrer les 10 options les plus sûres sur un iceberg d'abord. Voilà. D'après moi, la première option, c'est cette option là. Penalty accordé, expulsion. 1,03, tu combines les matchs. Voilà, tu combines les matchs. Il y a des matchs, tu vas voir code 1,06 ou bien 1,07 ou bien 1,05. Tu combines les matchs quoi pour avoir au moins une cote à 1,20 ou bien 1,30 ou bien code 1,15. Vous jouez doucement, vous faites doucement. En l'occurrence, n'exagérez pas. Voilà, vous faites doucement, vous misez, vous combien 2 à 3 matchs, 4 matchs, 5 matchs, c'est bon, 4 matchs. Vous avez une cote à 1,20 ou bien 1,15 ou bien 1,25. Tu fais ta propre montante, c'est simple. La deuxième option, voilà, c'est penalty accordé. Y aura-t-il un penalty manqué dans le match? Ça veut dire que si vous le prenez, vous prenez toujours le nom. Si vous prenez le nom, s'il y a un penalty dans le match et que le joueur marque le penalty, s'il le marque, tu gagnes, mais s'il y a un penalty et qu'il le rate, tu perds. Et s'il n'y a pas de penalty dans le match, tu gagnes aussi. Voilà. La troisième option se trouve sur but en supériorité numérique. Voilà. En 3 matchs, tu auras une cote à 1,25. Ça, c'est clair. Voilà. Voici l'option.
But 1 supériorité numérique, ça veut dire que l'équipe de Bournemouth est à 10, l'autre est à 11 et qu'il y a un but en ce moment-là. Il n'y aura pas lié dans le match. Tu le prends, tu prends le nom et cote 1,08, tu prends 2 à 3 matchs à une cote à 1,25. Tu fais tes montants en commençant de 1000 francs. Si tu fais des cotes 1,25 en 9 mois, en commençant avec 1000 francs, tu vas te retrouver presque à 1 million. Presque. Voilà, je peux pas dire que tu joues chaque jour. Quand tu joues le samedi et le dimanche, tu patientes jusqu'à un autre jour qu'il y aura beaucoup de matchs, tu fais la même chose. Mais n'exagère pas. Ne joue pas chaque jour. Sinon, un jour, tu vas perdre. Dans la semaine, il faut jouer 2 à 3 fois dans la semaine avec ces options. Avec le temps, tu vas être rentable sur un SBET. Ça, c'est clair, les gars. Ça, c'est clair. Tellement clair. Voilà. Et la quatrième option se trouve sur les hauts jeux. Voilà. Quand vous cliquez sur les hauts jeux, soit vous dites que le match y aura 2 hauts jeux, soit que vous dites l'équipe le plus fort, c'est Nottingham. Tu vas dire que Nottingham aura un hauts jeux. Cote 1,28. Regardez-moi ce genre de cote. Tu prends 2 matchs, tu as une cote à 1,50. Claire. Voilà. La cinquième option se trouve sur les fautes. Voilà. En Angleterre, il n'y a pas beaucoup de fautes. Mais quand tu prends une équipe. Dans la partie faute, tu prends l'équipe le plus faible et tu vas dire que le premier total, tu vas le prendre. Par exemple, Nottingham est l'équipe le plus faible. Tu vas dire qu'il y aura plus de 7,5 fautes dans le match. Nottingham aura plus de 7,5 fautes dans le match. Ça veut dire qu'il y aura 8 fautes dans le match pour Nottingham, quoi. C'est tellement simple, ou plus. Voilà. La sixième option se trouve, je pense, sur les cartons rouges. Voilà. Tu vas descendre. Tu vas dire que expulsion, non. Voilà, la sixième ou bien cinquième. La sixième option, tu vas dire qu'il n'y aura pas de carton rouge. Mais avant de prendre qu'il n'y aura pas de carton rouge, analyse bien le match. Voilà, analyse, prends ton temps et analyse bien le match. Quand tu vois que le match n'a pas beaucoup de rythme ou bien d'âge, quelque chose comme ça, tu dis qu'il n'y aura pas de carton rouge. C'est tellement simple. Si tu jouais dans le championnat anglais, voilà, je vous le conseille dans le championnat anglais ou allemand, mais pas en Italie. Pas en Italie, les gars. Ou bien en France. Voilà, pas ces deux championnats-là. Évitez le championnat turc, le championnat français, le championnat italien et surtout le championnat espagnol. Voilà, évitez-le. Jouez-le en championnat Angleterre ou bien en Allemagne. Voilà, je vous le conseille. Et la septième option se trouve dans les cartons jaunes encore, dans les cartons jaunes. Tu vas descendre, tu vas dire que les 5 premières minutes ou bien les 10 premières minutes, il n'y aura pas de carton jaune. C'est tellement simple. Les voici. Tu prends les moins de 0,5 à la 5e minute. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de carton jaune à la 5 première minute. Aux 5 premières minutes, voilà. Ou bien à la 10 première minute. Voilà. La 8e option se trouve sur les. Comment je dirais même sur le premier chose arrivé. Tu vas cliquer sur ces 3 points-là. Tu cliques. Tu pars sur le premier chose arrivé. Quand tu pars sur le premier chose arrivé, tu cliques là-dessus. Tu prends qu'il n'y aura pas de but dans les 5 premières minutes. Voici la 8e option la plus sûre selon moi sur SBET. Voilà, je vais ajouter ça. Par exemple, tu vas miser, tu vas combiner 2 à 3 matchs. Non, combine que 3 matchs ou bien 2 matchs. Tu auras une cote à 1,25 ou bien une cote 1,30. C'est tellement simple. Voilà, c'est tellement simple. C'est facile encore. Voilà, la 9e option. La 9e option, je vais vous la montrer sur un des matchs quoi. La 9e option. Quand vous cliquez sur le match, il y a des options qui ne sont pas disponibles. C'est pour cela que je ne vais pas vous le montrer aujourd'hui. Mais dans une de mes prochaines vidéos, je vais vous montrer encore plus parce qu'on a largement le temps. Si on est vivant même, je vais poster beaucoup d'options. Beaucoup. La nouvelle option se trouve sur les options doublées. Qu'il n'y aura pas de doublé ou bien de remplaçant. Avec le remplaçant, voilà. Ça veut dire que remplaçant ne marquera pas un but ou bien que doublé. Il n'y aura pas un doublé dans le match. Mais il faut prendre les matchs très serrés, les gars. Très serrés. Ou bien on ne marque pas beaucoup. Par exemple, dans le championnat français ou bien Angleterre, par exemple. Les matchs serrés en Angleterre ou bien en Italie. Voilà. Évitez de le jouer dans le championnat espagnol. Ça, je vous le déconseille. Voilà. Et la 10e option, je vais regarder un dernier match, quoi. Un n'importe quel match, voilà. Par exemple, match d'Atlético, quelque chose comme ça. Je vais participer à Porto Batran Vessal. C'est pas encore disponible ici, quoi. C'est pas encore disponible. Mais bon, vous pouvez choisir sur les tirs. Et prendre le total, le premier total, voilà, le premier total. Voilà. Il y a beaucoup d'options sur un SBET. Donc, dans les prochaines vidéos à venir, je vais prendre mon temps.
vous montrer, détailler les options. Je vais faire des options, je vais vous les montrer, je vais miser avec les options, je vais gagner. Voilà, je vais montrer les résultats. Voilà, quand je fais, je vous donne des preuves. Voilà, et je vais me déconnecter. Voilà le palier. Ouais, on l'a validé tranquillement. On est plus à 3 800 000. On était à 4 millions, mais j'ai perdu ce safe quoi. À cause de Newcastle qui a fait un match nul alors que j'avais dit qu'il y aura un gagnant dans ce match. Donc je vais faire la capture. Voilà, je vais me recevoir. Après, je vais poster ce Telegram. Donc je vais me déconnecter et je vais montrer comment bien mettre le code, meilleur code promo du match, le code promo Indix en centre. Donc voilà, on se donne un peu ce forum. Voilà les gars, après avoir vous déconnecté, vous allez cliquer sur avant de cliquer sur s'inscrire, ayez d'abord un nouveau numéro de téléphone qui n'a pas encore un compte Insbet et un nouveau adresse email. Voilà, un nouveau adresse email. Ça veut dire leroidesparis@gmail.com par exemple, quelque chose comme ça quoi. Vous devez avoir un nouveau. Voilà, vous allez cliquer sur s'inscrire et vous me prenez l'inscription par complète. Je vous conseille tous mes abonnés qui sont sur Telegram de créer vos comptes un Isbet LNB avec le code promo Innocence. Ça, je vous le conseille, voilà. Vous tous. Voilà, quand vous cliquez sur complète, vous mettez votre nom ici. Après, votre prénom. Votre nom, ça veut dire votre nom. Par exemple, je m'appelle, je ne vais pas dire mon nom ici, quoi. Le roi des paris, par exemple, tu le mets. Tu mets ton pays, si tu es au Togo, Bénin, Côte d'Ivoire, Cap Vert, n'importe quel pays, tu mets ton pays, tu mets ta région, ta ville, quelque chose comme ça, tu mets ta date de naissance. Quand tu le mets, tu mets les devises de ton pays. Si ton pays est en euro, la devise de ton pays est en euro, tu mets euro. Si en CFA, tu mets CFA. Si en franc guinéen, tu mets un franc guinéen. N'importe quel pays, ton pays, tu mets la devise. Et tu mets le nouveau adresse email que tu as créé, tu le mets ici. Après, tu mets ici le nouveau numéro de téléphone. Quand tu le mets, tu mets ton mot de passe, tu répètes encore ton mot de passe. Après, la partie code promo, c'est la plus importante. Tu mets le code promo NX100, tout en majuscule, les gars, avec les gros mots. Voilà, en majuscule. Après, tu coches tous les cases comme ça. Voilà, tous ces cases-là. Voici le code promo clair et précis. Le code promo NX60, c'est le meilleur code promo du marché. C'est ça que je vous conseille. Le roi des paris vous conseille ce code promo. Voilà. Vous mettez, vous cliquez sur s'inscrire. Après l'inscription, remplissez le profil personnel. Je vous le montre à chaque instant dans mes vidéos. Je vais vous montrer la vidéo où j'ai créé le compte normalement et j'ai fait le dépôt. Je vais laisser cette vidéo en description. Voilà. Donc, quand vous faites ça, après vous faites ton dépôt de 2000, 3000, 5000, 10000, 100000, 1 million, ça dépend de ton capital, les gars. Ça dépend de votre capital. Voilà, de votre capital, du moins. Donc, voilà. Et bon, n'oubliez pas de me rejoindre sur Telegram. La team. Voilà. Pour les nouveaux rejoignements sur Telegram, je vais mettre le lien en description et les vidéos que je vous donne en description encore. Donc, voilà, je donne tout gratuitement. Tout est gratuit. Tout est gratuit. Je vous conseille formellement de créer votre compte avec le code promo INX60. J'insiste sur ça, les gars. J'insiste sur ça. Parce que vous êtes mes joueurs. Voilà. Vous êtes mes joueurs. Vous devez créer votre compte avec le code promo INX60. Faire un dépôt et tout. Tout est gratuit avec moi. Tout est gratuit. Ce que je vous demande solennellement, c'est de partager la vidéo au max. Au max. Voilà. Parce que cette vidéo pourra aider beaucoup de personnes avec les paris sportifs. Beaucoup. Toi-même qui regarde cette vidéo, je pense que cette vidéo t'a aidé. T'a éclairci les choses. Voilà. Je compte sur toi de partager la vidéo à tes amis parieurs. À qui que ce soit, tu la partages la vidéo. Elle va regarder ou bien il va regarder. Après, s'abonner. Voilà. Et me suivre. Et je vais vous rendre riche, les gars. Donc, on se donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo. Dans la semaine ou bien dans les jours à venir. Allez, peace.